j'ai l'impression qu'il donne pénalty. Revoit l'action au ralenti, regardez. Le ballon pour Vitek. Eh oui. Oui. Il y a faute. C'est le pénalty à la 21e minute. C'est le pénalty dur contre l'Espagne. La Tchécoslovaquie avait bénéficié d'un pénalty qu'elle avait tiré sur le poteau. Là, les Tchécoslovaques s'interrogent pour savoir qui va le tirer. Panenka, finalement. Panenka va aller tirer ce pénalty qui est important. Penalty à la 22e minute de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire juste au milieu de la partie de cette deuxième mi-temps. Penalty que se charge de tirer Panenka, le numéro 8. C'est un mano à mano, Dropsy contre Panenka. Il faut choisir un côté, prions le bon Dieu que ce soit le bon. La complicité du poteau. Panenka marque donc ce pénalty qui permet à la Tchécoslovaquie de mener par 1-0. On le revoit ce pénalty. Qui vont bénéficier davantage de terrain. Et les Français. Oh, un coup de canon absolument terrible que Dominique Dropsy n'a pas vu partir. Un but extraordinaire de la part de Sambacher, un tir de 25 mètres, vraiment, alors que celui-là ne doit rien à personne. Absolument, on le revoit. Regardez, il est à 25 mètres et du pied gauche. Vraiment là.